Bonjour et bienvenue, et je dis encore nouveau dans l'autre vidéo qui parle montrer comment capable mettre fait sous image sans façon pour capable être belle puis liste comme des cadeaux qu'on structure là dans ensemble avec Microsoft Word. Si vous vous abonnez avant de faire ça, qu'on y a et activer notification pour rater l'autre vidéo qui va venir. J'aime bien dire déjà avec Microsoft Word, si vous avez une image qui est insérée là, vous n'avez pas besoin d'un logiciel professionnel tant que Photoshop ou bien CorelDRAW pour capable éditer photos. Dans Microsoft Word, vous pouvez appliquer quelques effets que vous voulez avec un simple clic seulement qu'on fait ça dans Microsoft Word. Logo photo là-dedans, il est composé de un pile bagaille. Tant que photo a une température, photo a une couleur là-dedans que vous même pouvez changer et puis ou qu'à ajouter effet artistique là-dedans tout. Pourquoi faire ça? J'aime dire là toute bagaille qui gagne rapport avec un objet qui est inséré, qui gagne onglet contextuel pour lui. Même j'en tout, image qui est insérée dans Microsoft Word, il a tout gagné un onglet contextuel là-dedans. Là, on va aller, on clique sur image là. L'un clique sur image là, on aller dans onglet format qui c'est onglet contextuel qui gagne rapport avec image, on clique sur lui. Là même maintenant dans groupe ajusté encore que me démontre dans vidéo passée, dans groupe ajusté encore au lieu que n'aller dans correction cette fois-ci, on va aller dans couleur. Là nous gain accès changer couleur image que nous gain devant nous. Pour qui sa couleur qu'on important, parfois qu'on a fait un document pour un bagage spécial ou tu qui t'en choisi un thème déjà, thème que tu choisi un tu une avec une couleur. Et couleur que thème nan vin ensemble avec là ou obligé adapter document là ensemble avec une façon pour capable faire au plus correspondre pour gagner un design qui plus consistant dans document là. C'est ça qui est toujours important que vous même ou utiliser tous les outils qui gagnent dans Microsoft Word de façon pour capable faire document yo paraître consistant et belle. Pour nous changer couleur, je me dis là ou cliquer sur image là, aller dans onglet contextuel là qui c'est format, l'arrivée dans format. Clique marqué ajuster dans groupe ajuster en dans le couleur. Premier ça me faire avec image là, me ca changer saturation tout en m'a changer option ou après comment image là paraît chaque option paraît tout le. Là me une saturation de 0%, tout en m'a monter me gain 33%, après couleur a changer tout 66%, il changer 100%, il paraît normal là. Même ca augmenter le tout, si m'aller là saturation augmenter, les augmenter mon grand l'autre image et là fini moi même ça me plaît, juste cliquer sur lui, m'a fait contrôle Z pour capable annuler action, m'a tourné encore, m'a aller dans couleur, m'a choisi dans nuance de couleur, là m'a jouer ensemble avec température, après chaque moment les changer, chaque moment les changer. Et comme ça, ouais là mon image qui ont l'autre couleur encore. Ça va dépendre des thèmes que vous avez utilisé à l'été qu'à adapter ensemble avec. Et tout en qu'il pourquoi adapter ou bien faire ou bien possibilité vous capable utiliser une couleur qui plus adapté ensemble avec thème que vous avez utilisé dans le document. Laisse ça créer une consistance en document. Les gens mon capable là plus envie continuer l'île. On a continué toujours ensemble avec couleur. On va annuler ça encore avec contrôle Z. On va aller dans couleur encore. Là, m'a recoloré net. Par espace ça c'est pour recolorer net net. Et voilà, on grand bleu, on grand petit rouge, on grand vert. Même va laisser mon ton petit bagage qui pique cool. Right. Si m'applique par exemple, on fin changer couleur là, m'augmenter saturation à 300. Là me fini, ouais genre qui couleur une bonne qu'on y a. M'aller dans une couleur encore, m'a choisi m'augmenter nuance là à 11200 comme température Kelvin. Là, mon l'autre option que j'ai choisi encore, mon cas choisi mon recolorer image là, plus de ça. Comme ça. Donc, on vient une image qui composée. Image là composée. Laisse ça m'appliquer toi et fait là dans 1, me changer saturation, 2, moi choisi me changer température. Et puis troisièmement, on change couleur à la donne. Donc on vient une image qui fait pour moi. Alors ils me viennent créer en fonction de trois styles qui moi appliquer là dedans en même temps. D'abord, on change ou capable changer correction une image avec correction dans groupe ajusté à même
ou capable changer couleur en image et ou capable combiner couleur, par exemple, ou capable combiner saturation ensemble avec nuance qui c'est température et en même temps capable combiner ça qui relait recolorer ou choisir une couleur spéciale pour les selon document à utiliser. Par exemple, là on gagne tout vers ça pour l'utiliser, tout vers ça qui vient en l'air là, je peux l'utiliser en fonction de couleur qui m'était choisi en bas dans recolorer. Et là, si moi aller là, j'ai aucune recolorisation. Ça veut dire couleur que image là tu viens avec là, c'est l'éclatant. Même là, m'ta pas cliquer sur lui, mais toute l'autre que m'était choisi là, appliquer tout apprêté là dedans. Donc, ou ka faire combinaison ça là dedans et enfin, gon l'autre partie encore qui c'est effet artistique. Pour me faire ça, m'a d'abord fait contrôle Z pour me rétablir l'image là comme ça et le fini on peut aller cliquer dans effet artistique. Ça va dépendre vraiment de où monde qui a envie faire ça, envie faire parce que en pile là on pas paraît trop bien que ça, mais en fonction des images là il est vraiment belle. OK, par exemple ça son effet gain dans image là et quand le fait image apparaît, ça fait image apparaître d'une autre façon. Maintenant avec la bord ou capable tout choisir, fin choisir et puis voilà ajuster. On clique dans effet option d'effet artistique ou choisir ajuster transparence là. Son façon pour capable voir comment image apparaît. Donc mettez bois des dialogues là pour ça là comme ça. Et ouais, tout changement qui fait là-dedans va apparaître en temps réel. Donc, en plus de correction qu'a fait dans l'image là, on va changer couleur, qu'on est capable de mettre effet artistique là dans tout pour capable faire image apparaître plus impact en fonction des types de documents à travailler là. Mais qu'on y a, il y a deux autres bagages qui est important. Image ça, on va finir appliquer un ensemble de couleurs là dedans qui ou pas connaît, qui genre qui couleur que là dedans. C'est vrai que on va juste paraître là ou dire comme ça. L'on paraît tout ça elle marque aucune recolorisation ou bien l'on aller dans effet artistique. Là il n'a effet artistique ou je ne souhaite qui est ce qui t'a appliqué là dans au cas annuler le tout, mais ça compte toujours plus bon c'est pour rétablir la zéro pour jeune image là j'en t'ai inséré là l'âme de tout effet ça qui a appliqué dans image ça on besoin retirer on juste aller dans groupe ajuster à moins cliquer sur rétablir l'image. Si vous cliquez là dans sur les directs la retirer seulement ça gagne rapport ensemble avec effet qui m'a ajouté. Même quand on vit tout ouais dans qui taille image moyenne entrée dans Microsoft Word. Le besoin en qui taille image moyenne par exemple dans Microsoft Word par exemple, là nous gagne image là nous elle toujours été à petite taille là. Parce que normalement, on était juste cliquer sur rétablir, mais tout si on clique dans petite flèche qui est à côté rétablir là et puis on clique sur rétablir la taille de l'image, ou après image moyenne vient ensemble avec taille qui m'était inséré dans Microsoft Word là normal. Mais kounya gon dernier bagay ki m ka montre, dernier bagay ki m ka montre c'est les ou gen image ou gen document ça qui gen toute image ça m gen 1 2 3 4 5 6 images là dedans. Chaque image yo vient avec un taille pareil. Par exemple image ça gen 2 MB, par exemple ça gen 3 MB, toute taille ça combiné vient faire document non non taille. Image ça chaque qui gagne taille là, on besoin rendre document non plus léger parce que document ça me pas le voir par email. En pile fois gagne site internet ou voir un document là dedans li mande en taille exacte ou bien en taille qui va le dépasser pour capable pour document là capable joindre accès upload sur page là. Laisse ça ça fait, on va aller dans même image là, on clique sur lui dans onglet format dans groupe ajuster, nous cliquer sur compresser l'image. Quand cliquer sur compresser les images, ça le fait. Premièrement, les deux comme ça, au gain option pour capable appliquer dans seule image qui sélectionné. Si me pas voulez si me voulez appliquer ça dans toute image, je me juste de checker ça. Autant que on de checker ça, tout ça m'appliquer là, appliquer dans toute l'autre image. Deuxième bagaille, me gain option qui c'est supprimer les zones de rognage. Par exemple, image ça. L'aime cliquer sur rogner. Un espace ça qui toujours conservé là dedans que me ca retourner là dedans même pas besoin encore on ca juste
aller dans compresser, on dit ou pas un volume supprimer le moins, ça aide m'économiser espace. Avec des tailles documents on vient réduire considérablement. Comme ça tout, on peut juste choisir une résolution exacte. De toute façon, tout temps que mon cas rendre document dans PPT, les plus bon moins. Premièrement, si vous voulez appliquer ça ou l'appliquer dans l'image, ça, dans toute autre image qui est dans le document, ou de checker ça. Deuxièmement, ou choisir est-ce que vous avez besoin de zone de rognage, ça conserver taille image là, ou bien tout ça effacer. Et dernier bagage, comment vous voyez le document? Est-ce que vous avez fait le point impression? Là, il y a 220 points par pixel. Celle-là, là, il y a 150. Et là, là si ce n'est pas I, mais vous voyez, vous pouvez choisir 96. Comme ça, tout, vous pouvez choisir d'utiliser résolution document. Et là, fini. Moi-même, vous voyez, ce n'est pas I, mais vous voyez, là, vous voyez 96 points par pixel pour moi. Et vous cliquez sur OK. Même si vous n'avez pas rien, taille va jouer en réduit. Et là, pour faire ça, si je clique sur Rogner encore, je ne peux pas pour l'espace que je gagne encore. Ou automatiquement effacer pour moi. Pour nous résumer, nous montrons comment changer en couleur dans l'image là. Deuxièmement, nous montrons comment ajouter un effet artistique dans l'image. Tant qu'on fait le paraître d'une autre façon, tant que j'en le paraître là. Troisièmement, nous montrons comment on est capable de rétablir une image changée et entrée dans Microsoft Word là. De toute façon, si vous voulez. Il y a une correction qui vous pas comprendre là-dedans ou bien une correction qui vous envie de faire en plus pour capable annuler les corrections que vous avez déjà faites là-dedans. Et puis, vous capable compresser ces images de toute façon pour capable la réduire considérablement si toutefois vous êtes capable de voir les documents sur un email. Merci parce que vous avez suivi nous. Nous avons partagé la vidéo avec les amis, vous avez un like, abonnez à la chaîne là et puis nous attendons pour l'autre vidéo. Bye bye.